La dernière fois, là, ça qui nous a arrêté, chers frères et sœurs, c'est quand nous avons parmi nous quelque chose que nous avons un monde qui est malade. Dès là, depuis parole, c'est une sabre. De faire qu'on sonne, nous finissons de comprendre qu'il y a un monde que nous avons qui est malade. Il n'y a pas d'ordine qui nous t'a dit côté. Par où dire ou fini getli, à ce walder salon, wal cause, wal. Connais-tu chaque dimanche, chaque samedi, gain 5 dimoun fier ça de la case là. Qui a été embarrassé, sa famille embarrassé. Qui a été embarrassé, sa famille embarrassé. Connais parfois, oui, la loi dit, j'ai nous l'objet de relation familiale. Nous rendre visite, lui augmente relation familiale. Mais seulement, pas une façon qui vous dirait, nous venons de burden pour la famille, nous venons de tracan, nous venons de fordo. Qui fait dans la loi d'une, nous avons dit, t'as dit, tu peux aller tout, la scosse ou manière, quoi finir manger, puis aller. Au fait, il y a courant ça, quoi finir manger, aller. Pas la scosse ou manière ça. Parce que ban sahaba quand tu viens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux manger, quand tu finis manger, tu peux assiser, que tu peux causer. Ça, tu peux zen le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, le son sallallahu alayhi wa sallam, tu peux honter pour Jésus. Allez, mon bien, mon la case. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas honté depuis la vérité. Dès là qu'il dit, ban, quand je finis manger, qui je te déplace. Apporte si la personne de nous la permission. Apporte si la personne de nous la permission, veut dire si la personne lui-même lui dit à nous, quand il restait, comme on cite l'exemple la dernière fois, de Abu Bakr radiallahu anhu, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ti malade. Nous continuons, l'autre côté, Ibn Hajar rahimahullah lui dit, parmi les choses qui nous fait qu'on a un djimoun quand il est malade, lui bon nous fait libre conscience. Qui sa maladie qu'il a gagné là, c'est un moyen qui Allah efface son péché. Vous connaissez? Nous avons ce petit problème là. Nous pas un bébé, non, nous. Hein? Nous payons à port panadol, nous pas contre trop beaucoup de choses. Non? Mais j'aime encore autant de moi si j'ai cause avec 10 personnes malades là. Dis-moi quoi le docteur Rafa qui n'a pas vu moi. Ça a des descriptions, je commence à demander des choses qui me disent là, des anesthésies qui me disent. Tout ça là, au fait, il peut répéter. Lui. Il peut répéter là. Il entend les autres dire ça quand il est malade, il capte un bout de partout. Ne dites pas ça que vous avez déjà dit. Parce qu'il y a 10 personnes sur profession qui vous avez déjà dit ça. Toi, tu es imam, toi. Toi, quand tu as le gâteau, tu rappelles. Tu connais, c'est un des bons moyens qui est là. Qu'Allah purifie nous ça. C'est un des bons moyens qui Allah augmente nous d'arraja. C'est un des bons moyens qui Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous quand c'est nous faibles. Chers frères, parfois il y a des gens quand ils touchent pas un problème, ils ont tendance à dire Ayoub, wallah, qui fait moi? Haine. Je peux dire, Allah m'a fait le choix alors. Parce que je peux questionner Allah. Déjà, il a dit que les gens pensent l'obéissance, pas pour faire toucher pour une difficulté, un problème, un malade. En d'autres mots, ils pensent indirectement que sur l'obéissance profite Allah. La cause, ça ne peut pas vous donner difficulté. Faut frère. Ça, il ne sens. Il sent tant qu'on vous été qu'il y a côté de dimanche. Donc, bon, du mercredi, ça qui vous fait, il pas trouver. Parce qu'il y a tant de choses qui dimanche. Mais Allah, tout ça qui vous fait, quand il a envie de tout se faire ou toucher pour une malheur, il vous fait ou toucher lien. Faudrait pas ou penser que nous, l'obéissance, c'est un moyen pour nous pas tous faire de difficultés. Quand Allah décide, pays n'a personne capable d'empêcher. Nous, l'obéissance, c'est une petite chose, nous, problème, c'est une autre petite chose. Troisième, chers frères et sœurs, c'est un des bons moyens que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous. Quand c'est faible, nous faible. Connais parfois, même dans l'ibadat, il y a des gens qui pensent, je dis que je vous dis, Incha, on est tout le monde à Mazan Diamant, je dis. Premier saf, takbir. Hein, tu veux quoi toi qui fais ça?
À soir, l'église guette plafond, 3h30 sommeil trappé, 6h ce sommeil cassé. Qui te dit? Qui te dit? Parfois, nous pensons, nous l'obéissance, c'est pas nous qui peut faire ça. Non, frère. Sinon, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parti pour dire nous, quand Azan donné, dire la hawla wa la quwwata illa billah. Connaissez Allah qui fait nous faire toute l'obéissance, frère. Sans Allah, nous ne pouvons faire aucune obéissance, non. Et dans sa conviction là, c'est Allah qui aide nous pour obéir à lui. Dans l'autre côté là-bas, tant qu'autre vous peut faire une petite chose, peut profiter les autres, connaît encore un bon signe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, qu'Allah content un djimoun, lui servit pour ce dîme. Lui servit. Pas dire une fatigué. Oui, à partir vraiment fatigué de là, on dirait pour réquiller certaines bonnes actions. Pas dire l'as, pas dire non, connaît encore un bon signe. Quand on trouve ça, dit mon appel vient vers où pour redonner aide. Connaît Allah qui n'a pas voulu là. Connaît Allah qui n'a pas voulu. Il mérite, il pas mérité, ou fait ou l'enquête tout. Mais seulement, connaît Allah qui n'a pas voulu vers où. Veut dire occuper ses vies là. Occuper ses vies parce qu'à ce temps pour faire l'enquête, il trouve il pas mérité. Bon, sorry, ou pas mérité ou. Mais il restait qu'il nous a fait des efforts, oui, non. Mais Allah a coupé servir nous, frère. Allah a coupé, peut servir nous. Nous rappelons ça, dit mon là. Pas dire qui fait toi. Parce que troisième qui chose, ban qui meilleur qui toi, il tombe dans sa situation là. Ban prophète. Ban prophète. Nous prenons depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallam, pas de malade, frère. Connais ça lundi qui dit tu tombes malade là. Le temps arrive, les Zohar. Les lever pour y aller faire Zohar. Les pierres de connaissance sont tombées. Après un moment, le temps les relever. Aïcha, radiallahu anh, relève les. Les lever, il dit ben, fini faire namaz. Il dit non. Les relever. Les pierres de connaissance sont tombées. Vous avez trouvé une pierre de connaissance trois fois, un après l'autre. Vous savez, ça ne ressemble pas à ça, frère. Quand il dit que madame Aïcha, radiallahu anh, qui gagne la fièvre. Quand on appelle la fièvre, nous avons quitté la fièvre avant qu'il n'arrive. Combien de locales nous finissons écrire? Nous écrivons le local de Namans tout nous. Encore qui dit non, je ne vais pas aller, je ne vais pas aller avec les autres frères. Comme ça, tu as traité les autres, tu as le goût là. Il va écrire le local juste au travail, il écrit le local de Namans tout. Pas trop oublié. Pas trop ton amant. Tu es malade. Hein? Oui, frère, il est malade par là. Qui est la fièvre avant? Les temps de Aïcha de Allah, il dit, dit, oh Aïcha, nous ban prophète. Il ne dit pas dire lui Muhammad. Il dit nous ban prophète d'Allah. Sa malade qui veut gagner là, nous nous gagnons des fois. Nous nous gagnons ça des fois. Vous avez trouvé pour le local pour Namas? Vous avez trouvé pour le local pour Namas, frère? L'une des apiacisés, l'eau sous sa mot, il est casse-cou. Il est casse-cou, il peut aller. Un sahaba dit, « Ya Rasulallah, ne descend au repos. » Il dit, « Non, les fadjal, prétend, je m'aurai de fadjal. » Une garantie, j'ai dit ça. Il reste assis sur sa mot pour son meilleur pas trappé, comme il casse-cou, il y allait comme moi. La cause, les fadjal, prêt. Moi, comment tu vous dis là, moi? Moi, là, je vais 15 minutes là. Comment ça me donne de les voix? Ça qui donne, j'ai dit, « Azan, lève toi là. » Les chiens derrière toi là. Les chiens derrière toi là, ne verriez. Comme il faut dire, nous brûler comme ça, frère. Nous passons la nuit et notre temps va pas dire que nous avons dormi, soit disant nous pouvons lever à Zanam. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous l'exemple à les contraires. Donc, nous rappelons la personne, ben qui meilleur qui nous fait une passeport à cette étape là. Donc, pas prendre comme une mauvaise petite chose, acceptez-le. Acceptez-le. À partir de là, nous prenons trois parmi les bonnes paroles. Quand nous avons un djibun qui est malade, ce droit nous fait droit pour lui. Ce droit. Et c'est quand nous disons la ba'stahurun insha'Allah. La ba' veut dire pas de problème. Comment nous fait dire quelques minutes de cela, alhamdulillah, veut dire nous tirer toute sa négativité qui est là sous la tête là. Arrête de penser, on dirait, à la paix, arrête de penser à la négatif là, toi. Tahurun insha'Allah, Allah peut purifier toi à travers ça.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans long hadith qui dit à nous, pain à noyer qui touche un croyant, même une pine, même une la fatigue, même un tracas. Excepté qu'Allah peut pardonner ce péché. Excepté qu'Allah. Frère, vous connaissez qu'il y a un tracas, vous connaissez qu'il y a un fatigué. Vous venez travailler, vous êtes fatigué là, vous êtes assis à la case, vous direz aux les pieds qui guident là. Allah peut pardonner nous là, parce que vous fatigué. Combien comme ça? Si de toute sa bonne façon là, Allah subhanahu wa ta'ala fait peur de nous, mais de nous un croyant qu'un malade. Donc pour mieux une parole qui nous réconforte, nous dit à l'ilabas, pas gagner tracas toi, qui fait? Parce qu'il ne faut pas finir, explique-toi, Allah subhanahu wa ta'ala parle de du tout quand il fait toi malade comme ça. Tahurun insha'Allah. Ça devient un moyen qui Allah purifie toi. Et pareil comme ça, même un de bandoura qui est bien connu, cher frère et sœur, c'est quand nous dit Allahumma rabban nas adhib al ba'sa wa shfi anta shafi la shifa illa shifa uka shifa Allah yughadiru saqama. Sa doua là li capable vinn quelque chose quand dit moun bien pour lui-même. Sa doua là li capable vinn pour une personne quand il devant moi. Et sa doua là li capable vinn pour un dit moun quand moun gagne nouvelle li malade de les trois façons. Sa doua là, il y a dit pour moi-même, Allahumma rabbana adhib al ba'sa wa shfini wa shfini wa anta shafi. Juste sa bout là. Ishfi, moi capable faire dit ishfini. Donne-moi guérison moi. Mais comme on peut dire pour un dimoun qui devant moi, c'est pas mon pose la mélo sur la tête, moi dit Allahumma rabbana adhib al ba'sa wa shfika. Wa shfika, toi. Toi qui devant moi là. Ishfika, qui a la guérit toi. Ou pour un dimoun qui loin, veut dire mon gars, et donc une nouvelle, non, et tu as fait doua pour lui. Allahumma rabbana sathib al ba'sa wa shfihi wa anta shafi wa shfihi, et guéris-lui. C'est toi le guérisseur. Donc un seul doua, il dépend de qui situation, de qui halat qui ou été. Là où même, dimoun n'a devant où, dimoun n'a pas devant où. Un des bandoura qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala guérison pour une personne qui est malade. Et troisième, chers frères, un des bandoura, vous connaissez, nous ne connaissons pas l'amour. Nous ne connaissons pas l'amour. Quand je pas nécessaire ou malade pour mourir. Mais seulement de rester qui, dans la majorité des cas, et dans les 10 personnes, quand je gagne certains malades, nous connaissons. Mais de rester qui est dans les malades, pas nécessaire, ni peut mourir. Malgré qu'il est capable malade, pas nécessaire qu'il peut mourir. Sa dernière qui nous fait exciter là, une maladie qui nous connaît, pas nécessaire un dimoun mort, doua qui nous fait pour lui, c'est sa doua qui devant nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine personne qui rend visite un dimoun qui est malade, un malade qui pas pour amener sur l'amour, il y a 7 fois. As'alullahu rabbil arshil azim en yashfika. 7 fois il dit ça, excepté qu'Allah donne ce guérison. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, un malade qui nous connaît, pas un malade qui lui peut aller, nous fait doua pour Jimouna, nous dit as'alullahu al azim rabbul arshil azim en yashfika. Nous lit ça 7 fois. Pour sa personne là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour guérir depuis ça, sa malade là. Donc, ça, chers frères et sœurs, c'est bandoua, quand nous dit 3 parmi bandoua, et surtout dernier là, pour une personne qui nous connaît, c'est pas une maladie qui pour, prends ce la vie. Parmi une dernière chose qui nous apprend, chers frères et sœurs, c'est la question, une madame rend visite à un miché. Demain, il est possible, ou c'est, ou madame, ou tifi, ce professeur est malade. L'hôpital. Qui vous fait? Avant de nous faire l'action de visite, est-ce qu'il finit arrive ça? Nous sommes dans Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari, Rahimahullah, il y a un chapitre, ben madame, vous prenez visite, ben Michel. Il y a un chapitre. Et dans le hadith qui y a amené là-dedans, c'est le hadith Umu Darda, radiallahu anha. Umu Darda radiallahu anha, sans aucun doute, c'est madame de Abu Darda radiallahu anha, un de ban sahaba qui était ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Madina. Umu Darda radiallahu anha, il s'est fait rendre visite ban Ansar.
ban habitant Madina, l'Itibial Ranzot, Itibial Ranzot visite. Et quand nous pédions, ban ensemble, pas ban madame. Aïcha radiallahu anha, get qui lui dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina, Abu Bakr et Bilal radiallahu anha fin tombe malade. Ça, c'est une histoire de Yéla, chers frères, nous expliquons là. Nous lisons hadith avant. Abu Bakr et Omar radiallahu anha fin tombe malade. Alors, moi, Aïcha radiallahu anha, mon final ranzot visite. Mon final ranzot visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, doa la divini, Allahumma habib ilayna al-Madina kama hababta ilayna Makkah aw ashad wanqul humma ha ila Juhfa Allahumma barik lana fi mudd dina wa sa'ina. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wallah fais-nous gagner l'amour pour Madina kama hababta, pareil comme tu fais nous contre Makkah aw ashad, ou bien plus que ça. Ça, c'est la preuve que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il vient de Madina, il demande beaucoup de droits pour la ville de Madina, plus que Makkah. Ensuite, il dit wan qul humma ha ila al-Juhfa. Fais sa malade qui y est là. Humma, c'est la fièvre. Littéralement. Tu as dit depuis Madina, voy Juhfa. Wallah, béni, mouddina, wassorina, moud, sort, c'est ça même récipient qui nous habitue, tandis qu'on a zakatul fitr. C'est récipient qui quatre moud, un moud c'est un poignet la mina, c'est un moud. Quatre comme ça, fait un sort. Ça va le récipient, nous avons servi ça à l'époque pour peser. Retourne avec l'histoire de sa boutte là. Première petite chose, humma. Humma littéralement, il veut dire la fièvre, un kitso kishu. Mais seulement à cette époque-là, connaît quand nous servit un mot dans le hadith, quand nous apprenons, quand nous lisons, nous devons être attention dans l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une autre signification. Nous devons prendre une autre signification. Par exemple, le mot sayyara. De nos jours, Sayyara veut dire l'auto. Comme pour lire sur la Yusuf alayhi salam, je vous trouve là-dedans dire Sayyara. Qui m'a fait une guinouine là, vous pensez? Mais quand il met sur l'essence, il est au désir là. Parce que Sayyara, c'est tout quelque chose qui sert à Yassirou qui veut dire voyager. À cette époque-là, Sayyara, c'est ban caravane. De nos jours, Sayyara veut dire l'auto. Donc, quand nous lisons le mot de Coran, nous guettons sa signification à cette époque-là. Humain veut dire Mankitso Kishu. À cette époque-là, il se réfère à Malaria. Malaria, chers frères et sœurs, c'est parmi les malades contagieuses qui sont fanées de Madina. Et comme il y a dans l'histoire, même le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son papa, Abdullah, est mort avec Malaria. Il est mort avec Malaria. Donc, sa malade-là, tu connais de Madina, veut dire une malade contagieuse. L'étant Abu Bakr radiallahu anhu, Bilal radiallahu anhu fait hijra. Zot vin Madina, zot nouveau la zot. Van muhajir, zot trappe sa malade-là. Et lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît de Madina, c'est une malade contagieuse et capable d'amener là l'amour. Et il y en a combien de compagnons pour faire hijra. Donc de là, prends l'yastir. Get situation là, quand le prophète fait ça de voilà. Allahumma habib ilayna al-Madina. Wallah, fais-nous compte en Madina. Ton chou qui que je t'en dis, il y a malheur, il y a Madina, ce parole. Ce parole vini. Wa kama habab ta ilayna Makkah ou Ashad. Comment tu fais-nous compte en Makkah? Ou bien plus qu'il s'en encore. Veux dire, ban qui là-bas, là, comment je ne compte pas Makkah, fais-je compte pas Madina, ou bien plus qu'il s'en. Fais-je faire hijra là, l'os. Mais il y a Rasulallah, il est malade là. Qu'est-ce qu'il le prophète dit? Wan qul humma ha ila al-Juhfa. Wallah, sa malade là, fais-le al-Juhfa. C'est pour ça qu'il promet ban malade qui est là, chers frères, où vous trouvez dans Madina, ban malade contagieuse, pas vini.
nouvelle parenthèse, ou bien une ratée, parce que dernièrement, tu as Corona là-bas, tu as Covid. Là, on va dire, on prend un autre sujet, ou pas le guetter bien, est-ce que vraiment c'était une malade contagieuse, ou bien c'était un man-made, parce que sinon ce hadith l'a tombé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait une doua qui est arrivé, frère. Si Allah, l'indiman Allah, oh Allah, fait sa malade contagieuse, la sorti là, allez. Ou quoi, Allah va pas accepter ce doua? Ou bien, j'ai jamais qu'on vient rentrer? Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans ce débat là, chers frères, mais seulement les rester, ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'importe qui halat les capables de changer. Et ça c'est doua ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa malade là depuis la ville de Madina, lui avoué lui dans de Djurfa, une de bonne place alentour qui trouve dans Hijaz même, excepté pour qu'il y ait un sahaba continue à faire zot hijra. Donc, de là, nous disons, chers frères, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pina noye qui impossible. Wallahu aslama man fis samawati wal ardi, tawran au karha. Et pour Allah, tout ça qui est dans l'eau, l'échelle, la terre, zot koube devant lui. Soit zot ou l'éli, soit zot pas ou l'éli. Donc, même t'es une malade contagieuse, quand Allah dit t'as sorti là-bas. Il vient accepter, frère. Il vient accepter. Ça, c'est le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gars de Madina, une place safe. Ça, c'est le droit. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est la permissibilité qui est une madame, les visite un monsieur. Et parmi les dernières choses qui viennent avec nous, chers frères, c'est visite un musulman à un non-musulman. C'est visite un musulman à un non-musulman. Quand nous sommes au fait de des situations, comme l'imam Bukhari, rahimahullah, yamin vers nous, dans un chapitre, visite d'un musulman vers un autre musulman. Connais, nous vivons surtout nous, dans Maurice, dans nous l'endroit même comme nous musulmans. Demain, ou collègue travail, ou voisin, demain, un client avec vous, demain, combien il y a comme ça? Ou dans un malade de l'hôpital. Qui vous fait? Est-ce que la loi d'une permet ou pour le guetter? Rapporté par Anas radiallahu anhu. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu gagnes une nouvelle qui est un garçon juif qui est ensemble avec lui, veut dire, tu peux venir jeune le prophète de Madina, quand il gagne une nouvelle qui est un garçon là, tu es malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça le guette lui. C'est là qu'il dit, j'ai accepté l'islam, etc. Et le garçon là, tu as accepté l'islam après avoir que ce papa fin de nuit, permission. Mais seulement, de base, il a guette le garçon. Et pourtant, c'était un juif. Et là, quand on veut dire un juif, la tajidanna ashaddanna siradan watan lilladina amanu al yahoud. Tu trouves ban qui n'a plus l'ennemité pour ban qui n'a iman, c'est ban juif. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'inal visite, enfants, en qui n'a plus l'ennemité pour lui. L'inal visite lui. Ça pour montrer nous la permissibilité qui nous visite une personne qui est malade, même n'est pas un, même n'est pas un musulman. Et en dernier, chers frères et sœurs, hadith qui nous connaît, c'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as visite ce tcha-tcha, Abu Talib. Quand il vient avec ce tcha-tcha pour lui dire ce tcha-tcha, dis la ilaha illallah, moi intercède pour toi, je suis au Qiyama. Qui fait les misères qu'on sent avec lui? Il va dire tcha-tcha, moi, mes médecines pour toi, tcha-tcha, moi, j'ai un docteur pour toi. Qui fait pas dire ça? Il connaît bien le mot là. Connaît bien le mot là. Mais seulement, il y a un copain qui invite lui, oui non. Ensuite, il a visité Tchatcha là, oui non. Est-ce qu'il a visité lui en tant qu'il soit Tchatcha ou bien il a une permissibilité? Comment nous pouvons faire la différence à ce dire? Est-ce qu'il a visité lui en tant qu'il soit Tchatcha, veut dire familial? Ou bien il a visité lui en tant qu'un non-musulman? S'il a visité lui en tant qu'il soit Tchatcha, chers frères, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le visiter dans les autres de sa famille, comme Abu Lahab. Tu peux continuer de faire ça. Mais seulement, les finales visites lui en tant qu'un non-musulman. Même tu es non-musulman, je connais ton malade, je vais avoir le droit de venir visiter toi. Et il y a un savant qui a amené, quand nous allons visiter lui, nous amène le message de l'islam vers lui. Quand même, ce qu'a dernier lire, nous amène le message de l'islam vers lui. Ça, c'est le dernier qui tient avec nous, chers frères. Le droit d'un musulman vers un autre musulman, en tant que quoi?
en tant que colis malade, nous visitons lui. Et ça qui restait avec nous, c'est ce Namazanaza veut dire parmi droit une personne, un musulman, c'est demain colibo, nous assister sur Namazanaza ou nous suivre sur Janaza. Ça qui va avec nous, Inch'Allah, l'autre semaine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.